Ça, je pense que je sais c'est quoi. Ah oui? De la lavande. En tout cas, ça va bien avec ton chandail. Donc, la lavande, c'est une vivace qui est vraiment facile à faire pousser à la maison. Vous allez la voir pendant plusieurs années. Elle fait une floraison incroyable. Puis, vous savez, la lavande a trois noms latins pour la même plante, hein? La Lavendula angustifolia, la Lavendula vera ou la Lavendula officinalis. C'est la même lavande. Donc, c'est la lavande vraie, c'est la lavande anglaise qui résiste très bien à nos climats ici québécois. Puis, on va cueillir ces fleurs en début de floraison quand les petites fleurs mauves commencent à ouvrir. C'est tellement simple de faire des bouquets suspendus. Ça sent bon. Puis, je vous mets au défi de faire une crème glacée maison avec des fleurs de lavande infusées dedans. Je le fais avec une glace vegan. J'ai une recette, là, je te dis, c'est top notch. C'est vraiment délicieux. Vous savez que la lavande, c'est une plante qui est calmante, qui est apaisante, qui est anti-stress. Je vous mets aussi au défi de la boire en tisane parce que vous allez peut-être me dire, ça sent le parfum. Mais en petit dosage, c'est vraiment délicieux. Ça calme la douleur. Ça l'accompagne la digestion. Vous allez mieux dormir. Finalement, est-ce que toute la famille peut en prendre? Parce que je pense que ce serait bon pour mon chum. Sans problème, même les enfants. Je vais en prendre une vingtaine de plants, s'il vous plaît. Ça va être beau. Est-ce que tu nous partages ta recette? Et je ne l'ai pas par cœur. Ah non, mais on va la voir à un moment pourquoi donné. Pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On mettra ça dans les commentaires. Oui, on la veut. Merci, merci, Véronique.